Salut à tous, c'est Keyboy23 et bien sûr Eagle4. Aujourd'hui on se retrouve, alors moi je suis celui à deux droites, hein. Je suis pas le gros gogol là, bandit Camout là. Oui, Crash Bandit Camout, absolument. Oui. Donc aujourd'hui on se retrouve simplement pour la vidéo des 100 abonnés, parce que voilà, j'ai dépassé le cap des 100 abonnés. Cap très important dans la vie d'un youtubeur, tout simplement parce qu'en fait on s'en bat les couilles. Donc dans cette vidéo vous allez trouver des trucs. Mais alors des trucs de dingue. Un concept carrément inouï. In ou I. Inouï. Inouï. Un truc de fou. Donc voilà, donc on va vous laisser regarder tout ça. Et j'espère que vous allez apprécier. Et puis passons au gameplay. Putain, je suis prestigé 10 à la FMW2. Carrément. Ouais, c'est cool. Ah merde! Bonjour à tous! C'est Keyboy23 avec Eagle4. On se retrouve. Oui, t'as dit. Bonjour, d'accord. Tu dis bonjour pendant que j'aime pas ça. Tu veux que je te tue? Oui, donc je sais, on est ici donc pour la magnifique vidéo des 100 abonnés. Et donc, tout d'abord, bien sûr, je voudrais bien sûr vous remercier. Parce que voilà, c'est grâce à vous que je suis là, quoi. Il y en a vraiment qui m'ont mis plein de commentaires sympas, qui m'ont vraiment donné la motivation d'aller jusqu'au bout, de faire plein de montages et tout. Faux. Notre assistant est en train de bouffer de la farine, c'est incroyable. Vas-y, mange pas tout là. Putain, mange pas tout gros, laisse-en pour après. C'est clair. Donc, pour commencer, alors, ce qu'on avait comme idée de faire, c'était donc bien sûr un commentary en live, face commentary, un truc de dingue quoi, c'est un truc de fou. Et en fait, avec un petit concept, on vous expliquera ça au moment où on lancera la partie. Donc, eh bien, j'ai envie de dire, allons-y, chercher partie. Alors oui, pour préciser quand même, parce que moi je suis pauvre, comme vous l'avez pu remarquer, je suis noir, voilà. C'est pour ça qu'on me voit pas très bien sur la vidéo, c'est, voilà, c'est pas grave, hein, c'est, au moins vous m'entendez, c'est le principal. Commence maintenant. Pardon, ça va être ma deuxième partie en live. Je crois que c'est ça, ouais. Parle plus fort, connard. ça va être ma deuxième partie en live seulement. Sur un jeu, donc je connais une map. Non, deux. Non, oui, deux. Allez. Ah, deux. Deux, mais on va dire trois, mais trois à moitié. Vous avez tout compris. Voilà. Parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes très intelligents, c'est normal. Et donc, c'est parti. Donc, alors, nous avons. Putain, c'est quoi ça? Standard. Je mets standard. Je mets du match à mort par équipe. J'avais créé ma classe au préalable avec un AK-47 chargeur grande capacité, un 44 Magnum. Oui, ouais, voilà. Semtex, paralysante, tour de passe-passe, détermination. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Nous sommes donc dans Fallen, map que je ne connais absolument pas, bien sûr. C'est de la merde. Voilà, donc ça va être plutôt génial. Comme vous avez pu remarquer, je suis noir, je suis habillé en noir avec un t-shirt Black Ops, jeu de merde. Il est blanc, habillé en blanc avec un t-shirt MW3, putain de bourge. Et donc c'est parti, nous allons commencer. Donc, c'est à combien les points? Quoi? Ok, alors vous savez ce qu'on allait faire? C'était, franchement, c'était génial. Je trouve. J'ai, bah, franchement, un grand merci à tous encore une fois. Franchement, je vous aime. Regardez, je suis sérieux. Je vous aime. Bon, c'était sympa. La vidéo des 100 abonnés est finie pour aujourd'hui. Ouais, notre assistant vous dit salut. Salut. Vous l'avez pas entendu, c'est génial. Ouais, mais... et puis bah allez, à plus tout le monde. Ciao. Allez. Bon bah c'était bien, putain, on s'est fait chier. Oh là, c'est de la merde. Oh là là, qu'est-ce que c'était? En plus c'est con, ils vont nous croire. C'était une blague. C'était une feinte. C'était trop beau. C'était génial. Donc on va recommencer, je l'ai fait Lockdown, non? Lockdown, ouais, tu l'as faite. Ouais, je l'ai faite. Donc je la connais par cœur. Alors, là, donc je vais vous expliquer le concept maintenant, vu qu'il nous reste 25 secondes. En fait, c'est simple. On a un petit peu copié sur un certain youtubeur qui est carrément disjoncté, qui s'appelle... Excusez-moi. Et ben en fait, c'est simple. À chaque mort, on va bouffer une cuillère de farine. De farine de blé. Et alors, pour vous dire, on a essayé de trouver des choses carrément... pas comestible comme ça dans la cuisine de Eagle4, et donc on a trouvé la farine tout simplement parce que quand on a pris un truc de farine, une cuillère de farine, mais en vrai une petite cuillère de farine, c'était horrible.
on met 15 minutes pour la retirer de la bouche. Donc assistant, l'eau qui est à tes pieds, donc assistant, tu restes assis. Voilà, de l'eau cristallin, très bon pour la santé. Ça n'est pas une marque. Et donc nous voilà, c'est parti. Putain, ça va être horrible. Tu me donnes à manger? Je la prends aussi. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Mais prends-moi des petites, hein. Ok. Mais t'as cru que j'allais te donner la cuillère aussi, non mais tu te démerdes. Putain, en plus j'aime pas la K47 et je sais pas où elle est. Oh là là, c'est la dèche. Putain, je suis dingue, mais qui je suis? Et qu'est-ce qu'il fout lui avec des capotes? Ah non, non. C'est un ticket Micromania. C'est un ticket Micromania. Je croyais que c'était... Allez, go. Vas-y, dis-moi où elle est vite fait. À droite. Monte. Ouais. Montez toujours la technique du putain de campeur, ça marche, c'est efficace. À gauche. Mais à gauche, là, tu vois, mec, je peux pas y aller. Oh là, là, tu campes, y'a des gens là. T'es déçu. Allez. T'as le droit de bouffer une cuillère de farine. Une cuillère. Une. Non, mais tu la prends à la main, bâtard. C'est dégueulasse. Ouais. Oh, ça colle. Oh, t'auras pas d'eau, hein. C'est horrible. T'as de l'eau au bout de 3 cuillères. Oh le. Et après on raccourcit le truc. Après on... T'as de l'eau au bout de 6 cuillères. Même dégueulasse, hein. Oh ouais, putain. Oh, j'arrive pas à mâcher. J'ai pas avalé la première. Je crois que... parle pas, parle pas. Je crois que je vais en faire. Oh putain. Évite ça. C'est ma chambre, tu vas pas la démoncer non plus. Arrête de camper. Tu sais que tu peux commenter aussi. Alors oui, bon, commentons, mais c'est horrible, putain. Ah bah oui, bah là c'est horrible. C'est génial, je crois que je vais devenir blanc à la fin, mais c'est horrible ce goût. Et la cuillère entière. Hein. Ah mais monte pas ça, t'es dégueulasse. Et il en prend une pour le plaisir. Il est mort. J'en prends une pour le plaisir. Ok, il en prend une pour le plaisir, il va en chier l'enfoiré. Donc voilà, donc un grand, grand, très grand merci. Ça passe pas. Les commandos c'est de la merde. Tu bouffes une cuillère. Ah oui, exact. Oh merde. Donc on revient. Donc un grand merci à vous parce que voilà. Ça c'est putain, le petit écolier à côté. Mais non, il y en avait trois. Mais putain, c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais tu peux pas commenter comme ça. Ah bâtard. Ça colle. Oui. Oh merde, t'as fait gris. Ah t'es déçu. Mais c'était même pas affiché. Mais t'es déçu, mangeons une. Bon, sérieusement, un grand merci à vous qui m'avez encouragé absolument, que ce soit sur le live, que ce soit via YouTube. Putain. Ok. Oh le putain, il était violent. Je connais pas la map, hein, c'est moi, c'est... Oui. Oui. Campeur. T'es déçu, derrière moi. Là. Merci maman. Non mais allez donne. Tu la prends la main, tu la prends la putain, main. Putain, tu fais chier. T'es enculé. Putain, mais t'en mets partout. Oh putain. Oh la mort. C'est moi qui... Putain, tu vas... Oh, tu vas devenir blanc, gars. T'es déçu. Ah merde. Oh, tu te fais fusiller. Il est arrivé par là de l'autre côté. Oh, parce qu'il y avait un autre côté. Bah, il y a un autre côté. C'était un gémissement, oui, absolument. Oh, t'es déçu, barou d'honneur. Parle de la vie. Je parle de ma vie. Alors, moi, c'est simple, j'habite à Reims, ville de merde. Et on se les caille dehors, c'est incroyable. Il fait nuit. Ah, oui, alors attends, anecdote. 17h. Anecdote. Anecdote météorologique, c'est parti. Petite musique. Non. D'accord. Oui, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire ces. Putain, mais t'as chié! Ta gueule! Bah ouais, il a cru! Allez, anecdote là! Fais pas style, t'es concentré, tu connais même pas la map! Mais ils sont nuls! Oh, tu m'étonnes qu'ils sont nuls! Ah, chier les gars!
déçu. Ok. Anecdote. Alors anecdote. Je peux pas, hein, je peux pas la manger parce que putain c'est dégueulasse de la farine, ça a aucun goût, c'est. Et mais j'ai encore tout dans la bouche. Bah oui, normal. Et alors, anecdote, donc c'était hier je crois. Hier en TPE, donc on quitte l'école, il est 18h. Normal. Normal, vie de merde. Et en fait, vous savez bien sûr qu'en hiver il fait nuit très très tôt. Et en fait, je suis toujours étonné, chaque année je suis étonné qu'il fasse nuit aussi tôt. Je sais, je suis carrément con. Et donc j'arrive et je fais à Eagle Fort. Tiens, putain, regarde, il fait déjà nuit noire. Et alors, ce con-là, bon, ironiquement, bien sûr, parce que voilà, on est un peu blagueur, quoi, blaguinou. Ouais, absolument. Me dit, mais ben, normal, il va pas faire nuit violet. Et alors, truc de dingue, on sort du bâtiment, on regarde le ciel, il est tout violet. Il était violet. Violet, mais pourpre. C'est non, pourpre, c'est même pas. C'était avec les lumières, non? Mais non, mais je sais pas, tout était violet. Ouais, c'était violet, même en rentrant chez moi, c'était violet. Là, c'est blanc. Pas comme toi. Là-haut. Oh, sure. Oh, le headshot, c'était beau. Tu veux de l'eau? Non, ça ira. Pas de problème cette fois. En fait, vu qu'on a pas de moyens, en fait, on a une caméra de merde, mais vous voyez pas, j'en ai plein la gueule. Enfin, en fait, non, moi je le sens que j'en ai plein la gueule. Allez, petite pour la fin. Une bonne grosse, hein. Non, mais putain, mais tu la. Mais prends-la! Tu la prends à la main. Casse les couilles! Non, mais le mec il prend une demi-cuillère, quoi. Putain, mais t'es blanc là, ton truc il est blanc. Ah, mais l'en fous pas. Voilà, tu vas pas sur le canapé, eh, je vais te tuer. Sur le tapis. Bon, non, merci. Bon, allez. Au revoir. Il va mourir. Putain, je suis 79. Gugu Bad 23. Avec une fort. Ouais. Et c'était pour la vidéo des clés, comment tu arrives. Et j'en remercie. Et bois de l'eau. Bois de l'eau. On le perd. Je crois que j'ai une overdose. Gueule. Ouais, ta gueule. T'emmerdes. Ce sera... Moi, pourquoi tu parles pas? Allez, il est en train de succomber là. Là, il a mal. Là. C'est horrible. Franchement, essayez chez vous. C'est dégueulasse de bouffer de la farine à répétition. En plus, je suis mort 12 fois, donc ça fait non, moins 1 vu que j'ai raconté l'anecdote. Mais alors, manger 11 cuillères de farine toutes les 30 secondes. Vous voyez sans déjà bordel, que... En fait, au final... Dans votre bouche, il y a à peu près 11 cuillères de farine, moins une que vous avez un petit peu éliminée. Mais sinon, tout le reste est là, et c'est juste horrible. Donc, alors, vas-y, alors, changement de place, attention, vous n'avez strictement rien vu. Tiens-moi ça. Pourquoi c'est moi qui prends le casque? Ok, bon, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, maintenant c'est tout simplement Eagle Fort qui va vous commenter la vidéo sur Sea Town en match à mort par équipe. Voyons tout simplement sa classe au début. T'as réussi à dire Sea Town? Sea Town, gros. Même moi au début j'ai réussi à galérer. Mais non, c'est. I'm come from the Bronx, baby! You know I'm American, yeah. C'est... Je m'appelle quand même Baby, ouais. Okay, moi donc je c'est suis parti. À ça. Donc, s'il te plaît. PP90M1, tir rapide avec pas d'accessoires, merde. 5-7, couteau tactique, tour de passe-poche, détermination, vie de solide, semtex, grenade paralysante. Et j'ai oublié un atout, j'ai oublié l'atout d'arme. Donc je suis déçu, c'est quoi cette sorcière de merde? Quoi? Pas rien. Si, attends, je joue. Alors c'est parti, là je suis chaud. Alors, Eagle Fort, tout simplement, pourrais-tu nous faire une petite présentation, si je puis dire, de ta chaîne? Alors ma chaîne, c'est pas compliqué, c'est une chaîne exclusivement réservée aux commentary live. T'es obligé de faire cet effet de style à la con. Même l'autre il est mort de rire. Oh, il s'est pissé dessus avec du coca. Il s'est craché dessus quoi. Non, mais sérieux, ma chambre ça va être dégueulasse à la fin. Je sais pas si vous pouvez voir, mais sur mon doigt il y a un peu de farine. Et non, t'es resté coincé au palais.